Xong chơi những cái chỗ. Ông dùng rẻ, bác cả, ông to, cái dòng đa ca này tệ bị thi, bị phía xa đánh đào, chung phù, đang mà đang rớt bạc bình nì, clan phít. Một nâng đào vị tí ca, từ dạ mình vì nó mục, đang mà đang rớt bình nì, ông dùng rẻ, có tầm quà kinh tha, mình vì nó mục, ông nàng đang mà rớt bình nì, มันบ้านปราปิเวลีบ้านมีประสิทธิภาพในโครงการสู่สำนวนต่อการดำเนินการรับปริญญาเลยนี่องค์ยมเรศสู่ท่าตาดำเนินการนี้ตรวจการปิเวลีประมาณเจ็ดโครงการสู่สำนวนต่อการดำเนินการรับปริญญารูปนี้ สมกรบโลกประเทศ នៅតែពីចំណុចទៀតទេដែលមេតវីតំណាងដើមរឿងរដ្ឋវេនីចង់លើកជាសំណួរហើយរយៈពេលប្រហែលជាដំនាទីយ៉ាងច្រើនសូមអរគុណអរគុណអង្គខ្ញុំសូមគោលវេទិកាជូនទៅមេតវីដំដើមរដ្ឋវេនីសូមអញ្ជើញមកតសំណួរចាសសូមអរគុណលោកប្រធាន លោកអ៊ំខ្ញុំមានតពីសំណួរទៀតទេចង់សួរលោកអ៊ំអញ្ចឹងបាយមិញតេតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការដែលលោកអ៊ំតេតងការងារជាមួយនឹងមេឃុំទាំង 6 ដែលលោកអ៊ំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ំថាតើគេមានតម្រូវពីលើមកថាលោកអ៊ំត្រូវតែកំណត់ការប្រជុំជាមួយនឹងមេឃុំនឹងទៀងទាត់ប្រមាណដងដែរទេលោកអ៊ំបាទមានមួយខែ 2 ដង អញ្ចឹងលោកអ៊ំអាចជម្រាបជូនអង្គសាវនាកាបានទេថានៅពេលដែលតើមានតម្រូវថាលោកអ៊ំត្រូវតែរាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកអ៊ំគ្រប់គ្រងស្រុកដែលលោកអ៊ំគ្រប់គ្រងនឹងទៅខាងលើដែរឬទេហើយបើសិនជាមានថាត្រូវរាយការណ៍តើរបៀបនៃការដែលគេរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើក៏ដូចជាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខាងក្រោមនឹងថាតើវារាយការណ៍តាមរបៀបណាតាមរយៈអ្វីដែរលោកអ៊ំ ជុំឆ្លើយក្នុងការរេការឲ្យគណៈតំបន់នឹងបើមានពេលការឲ្យប្រជុំឲ្យតរេការគេដឹងចេញចេញចេញចេះដើម្បីអីដើម្បីគេក្តាប់ខ្លែកខ្ញុំគេចោតខ្ញុំមនុស្សចូលបញ្ញពន្ធវៀតណាមគេនឹងចោតអញ្ចឹងហើយហេតុអីហេតុតាំងពីមុនខ្ញុំ ចាអរគុណលោកអ៊ំហើយខ្ញុំអស់សំណួរហើយតែជាចុងបញ្ចប់នេះបើសិនជាលោកអ៊ំមានតើលោកអ៊ំមានអ្វីថ្លែងទៅសាវនាការជាលើកចុងក្រោយទេតើតោងជាមួយនឹងទុក្ខវេទនារបស់លោកអ៊ំក៏ដូចជាភាពស្មុគស្មាញដែលលោកអ៊ំមាននៅក្នុងសម័យនោះលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំមានសូមលោកអ៊ំជម្រាបជូនទៅអង្គសាវនាការនៅពេលនេះខ្ញុំអស់សំណួរសួរលោកអ៊ំហើយមានការស្មុគស្មាញការគឺថាធួបដ្ឋវត្តកុម្មុយនីពិបាកដោយសារនោះហើយមនុស្សវិញងាប់ច្
cột vị trí cả từ xã Bình Nhã, person ba miền Nam Nua, từ xưa đó đang đang rót vào nín, rụm nít, xô mình chơi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je commencerai aujourd'hui avec les questions. Et si nous n'avons pas fini, je pense que mon collègue continuera demain matin si nous en avons la permission. Bonjour et tous mes respects, Monsieur Clanfit. Je vous remercie d'être venu de loin et d'avoir accepté de témoigner durant ce procès. Nous allons à notre tour vous poser quelques questions et nous sommes conscients que le khmer n'est pas votre langue maternelle, mais une des nombreuses langues que vous parlez. Alors nous essaierons de poser des questions courtes et simples, chaque fois que ce sera possible. Toutefois, je voudrais simplement vous rappeler que si vous avez des difficultés à comprendre les questions, n'hésitez pas à nous faire savoir, à lever la main, etc., que je puisse recommencer éventuellement. Nous savons aussi que les faits se sont passés il y a 30 ans et que certains souvenirs ne sont pas nécessairement aussi précis que si vous aviez été auditionné il y a quelques années. Nous souhaiterions cependant que vous restiez concentré aussi possible, autant que possible, sur les questions posées et répondre de la manière la plus précise possible également. Je voudrais d'abord commencer, Monsieur le témoin, par vous demander si il y a 2 ans et demi, le 8 juillet 2009, est-ce que les enquêteurs de ce tribunal sont venus vous voir pour vous poser des questions? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir répondu à des questions posées en khmer ou traduites en khmer par un interprète? ខ្ញុំនិយាយតាមប្រភពនិយាយខ្មែរណាតាមពីប្រាខ្មែរខ្ញុំអត់បាននិយាយជនជាតិខ្លួនប្រជាខ្លួនឯងខ្ចក់ទេខ្ញុំបាននិយាយតំណាចេះតំណាកងយាយតំណងគេមកក្តាប់ជាភាពបានខ្ញុំអស់ Merci. Est-ce que, à la fin de votre audition, votre déclaration vous a été relue? Et une fois que vos déclarations ont été relues, vous avez considéré que c'était correct et donc vous l'avez signé, ou plus précisément, vous avez apposé votre empreinte digitale. Est-ce que c'est correct? Donc il s'agit du document D247-1. Et je vais juste citer les numéros d'IRN. En version Khmer, IRN 00403457 jusqu'à 00403464. La version française est une version corrigée, D247-1-cor-1, qui s'étend de la page 00751732 jusqu'à la page 00751739, et en version anglaise 00404460 jusqu'à la page 00404467. Nous allons donc probablement pouvoir nous référer à ce document dans certaines de nos questions, sans pour autant que cela constitue des leading questions. Je voudrais d'abord revenir sur la période de votre engagement au sein du mouvement révolutionnaire jusqu'en 1970.
Et vous avez déclaré ce matin ne plus vous souvenir très précisément de l'année durant laquelle vous avez rejoint ce mouvement. Mais est-ce que vous pourriez nous dire plus ou moins dans quelle période cela se situait? Est-ce que c'était les années 50, les années 60? Est-ce que c'était longtemps avant le coup d'état de l'ONU? Ce matin, vous avez parlé de faits qui dataient d'avant le coup d'état de l'ONOL. Donc, je ne sais pas si la traduction était correcte. J'ai entendu 1971. Je voudrais que vous confirmiez si c'est 1971 ou si c'était avant. D'accord. Ce matin, vous avez dit que vous avez été approché par certaines personnes pour rejoindre le mouvement. Est-ce que ces personnes ont parlé du concept des ennemis pour vous convaincre de vous rallier à la révolution? Je vous remercie. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez les objectifs de ce mouvement révolutionnaire? អត់ដឹងទេគេថាបដិវត្តបដិវត្តតាមគេគេអត់ចេះជួយជួយគេអត់ចេះតែការចេះតែការគេអត់ធ្វើប្រទេសមានប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងគល់មិនបដិវត្តយ៉ាងម៉េចវាគាត់ថ្ងៃក្រោយគេអត់ដឹងទេចេះតែធ្វើដោយខ្លាចអត់យល់អត់ចេះអសអត់ចេះអសចេះតែបើមិនតោខ្លាចគេកាប់ឈ្មោះចូលមានប៉ុណ្ណឹងតាំងពីមុនដំបងនោះមិនធិតមានភារកិច្ចនៃរាជការឈ្មោះតង Monsieur le Président, avec la coupure d'électricité, est-ce que je peux continuer ou on va attendre? Merci, monsieur. Je voulais savoir aussi Are we still in the 60s? Maître Carnavas, c'est moi qui pose les questions en ce moment. Je ne sais pas si je suis obligé de reposer ces questions-là. Mais peut-être que le témoin peut préciser effectivement par qui vous avez senti que vous étiez intimidé. ដោយឆាអីដោយឆាកថាគេអង្ការការងារជាអីវាធំជាងអង្ការអង្ការបដិវត្តបើមិនធ្វើជាវាក្នុងកលិណានៅជាមេត្រីក្នុងទឹកអំណងអត់បានហើយលើមេឃក៏មិនអត់មានអត់ចេះហើយលើមេឃចេះតែធ្វើនៅហើយគេប្រាប់ដោយឆាគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើតាមគេ Est-ce que vous saviez si ce mouvement révolutionnaire avait un nom? Quel était le nom de ce mouvement ou éventuellement de ce parti? ชื่อมันนึกได้ชื่อถ้ามุนดำบงนึกยังทองชีอมว่องอมยาตะคัดอันนึงก็น่ะคณะภูมิเพียะเกทองชีนึงคณะชรกนวลชัย
Mais est-ce que ce mouvement avait un nom? Comment est-ce qu'on vous l'a présenté? Comment s'appelait-il? Est-ce qu'au moment où vous êtes rentré dans ce mouvement, que vous en avez fait partie, est-ce qu'on vous a éduqué, est-ce qu'on vous a formé? Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres personnes de votre village ont également rejoint le mouvement révolutionnaire? Et est-ce que ces personnes appartenaient aussi à des minorités ethniques? Saviez-vous pourquoi le mouvement révolutionnaire visait à recruter spécialement des gens des minorités ethniques dans la région du Nord-Est? Alors pendant cette période, toujours dans les années 60, et donc bien avant le coup d'État de Lon Nol, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient les dirigeants de ce mouvement révolutionnaire? Où était-il établi, où habitait-il? Est-ce que pendant cette période-là, il vous est arrivé de franchir la frontière avec le Vietnam? Et si c'était le cas, qu'est-ce que vous y faisiez au Vietnam? Pour que je comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous dire à qui étaient destinées ces armes qui étaient cachées et amenées jusqu'à Stung Treng? การนั้นอาวุธគេថាគេវាយហើយនៅបោដឹកមកពីនោះពួកប្រទេសវានឹងវាអត់មានផ្លូវនឹងដឹកវែងតាមកប៉ាល់កប៉ាល់ចុះពីភ្នំពេញលឹងពីភ្នំពេញទៅនៅព្រំដែនទៅទៀតគេថាជិះនុកជិះនុកល្អគុំតោពួកខ្ញុំមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនអង្ករដឹកជញ្ជូនផ្លូវដឹកជញ្ជូន
group shop nambei bamro kong top wai khmang no Hanoi nang ke thai chang Mais si vous étiez, faisiez partie du mouvement révolutionnaire et qu'on vous avait demandé de guider les Vietnamiens qui transportaient des armes à feu, est-ce que, je ne comprends pas très bien, est-ce que ces armes étaient destinées au régime à l'époque de Sihanouk ou au Khmer Rouge? ពីប្រទេសគេនឹងចុះព្រំពេញដឹកពីព្រំពេញនឹងគេទៅរាក់នៅព្រំដែនដើម្បីគេវាយរំដោះហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាគេឲ្យខ្មែរទេគេដឹកមកផ្លូវយើងគឺចុះមកពីកម្ពុជាប្រទេសចិនមកកម្ពុជាទៅព្រំពេញព្រំពេញវាលើងទៅអត់ទេមេគង្គដល់ទងតែងទងតែងគេដឹកអង្គដឹកស្អីរាក់នៅព្រំដែនពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយអញ្ចឹង Mais est-ce qu'elles étaient pour... Il fallait les donner à ce moment-là au Khmer Rouge ou bien ces armes étaient à l'usage des Vietnamiens? Pour les Vietnamiens, ce n'est pas comme le Khmer. Les gens disent qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils disent qu'il y a des gens qui ont des gens. Ils disent qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. D'accord, merci. Je voudrais en venir à la structure administrative dans votre région avant le Cambodge démocratique. Donc, à partir du moment où Lon Nol a fait son coup d'État jusqu'à la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges. On va se limiter à cette période de 1970 à 1975. Vous avez dit ce matin que vous aviez construit des maisons ou des bureaux pour Pol Pot et Ieng Sary. Est-ce que l'endroit où vous avez construit ces maisons ou ce bureau, est-ce que ça avait un nom? ពូកលែងជុំកលែងកោប្រាំប្រេកចុងអូកោប្រាំឈ្មោះកោប្រាំចុងអូបឡាំងពូអមអៀងឈ្រីនៅជាមួយតពកនៅនោះ Merci. Donc là, pour bien situer ce que K5 a donc été construit avant le coup d'État de Lon Nol en 70 ou bien après ce coup d'État. D'accord. Donc K5. Vous avez dit ce matin que c'était Pol Pot et Ieng Sary qui vous avaient demandé de le construire. Est-ce que K5, à votre connaissance, fonctionnait déjà à un autre endroit avant que vous ne construisiez ces bureaux ou ces maisons? Pourquoi, comment les dirigeants vous ont-ils présenté la chose? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils faisaient construire K5 à cet endroit précis-là, à ce moment-là? ពុតិអីគេទៅកលែងគាត់ពួនដើម្បីកុំអោយខ្មាំងមិនឃើញរួយមនុស្សបានចូលនឹង
ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនភាគច្រើនក្នុងពីមួយភូមិពីរបីអ្នកមួយភូមិពីរបីអ្នកដើម្បីខ្លែកបែកការសម្ងាត់ខ្លែកខ្មាំងវាដឹងក្លែងគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរ Pouvez-vous nous dire comment ces bâtiments ont été construits? Est-ce qu'il y avait une technique de construction particulière? Est-ce que ces bâtiments s'élevaient au-dessus du sol ou en dessous du sol? D'accord, donc c'était un endroit très sécurisé, d'après ce que je comprends. À part Pol Pot et Ieng Sary que vous avez mentionné auparavant, est-ce que d'autres dirigeants du mouvement révolutionnaire ou du parti venaient à K5? អត់ឃើញគេហេតុទៀតនោះគេទម្លាក់ក្របែកពួកខ្ញុំរើភូមិណូប្រៃ២ឆ្នាំអត់មានភូមិអត់មានប្រទេសទេនៅរហូតនៅប្រៃចេកលុងរាល់ថ្ងៃបានរស់គេទម្លាក់ក្របែកតាមពួកខ្ញុំនៅជិតព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះអត់ឈ្នុកទេពួកអ៊ំនោះមកគ្នាទាំងអស់អត់ឃើញ Mais au moment où vous aviez fini la construction, est-ce que K5 a été utilisé ou pas par les dirigeants Khmer Rouge comme lieu de réunion, par exemple? Est-ce qu'il y avait donc des dirigeants des Khmer Rouges autres que Pol Pot et Ieng Sary qui étaient venus alors à cette autre maison pour tenir des réunions à ce moment-là? Une fois que K5 a été détruit, où s'est situé alors le bureau ou les habitations de Pol Pot et Ieng Sary dans la jungle? Est-ce que cet endroit avait un nom de code, par exemple? No prey de M. Clay, Jung Phnom, Jung O.
Est-ce que cette maison avait été désignée par un nom? Quand les personnes en parlaient, est-ce qu'ils disaient ça s'appelle un peu comme K5, est-ce que ça avait un nom de code, un nom révolutionnaire? จองไล่ประชุมชั่วให้ไล่ประชุมไล่ประชุมที่ประชุมนี่ไปจิตเกียรติกะเล็งก็ตั้งให้อาจมีศาลาทุ่มเต้าที่ก็จะมีแต่ตะบูลสลักขันมาก็ไม่ย่อเชิญนั่งกุยทั่วกะเล็งกุยทั่วเต้าทั่วตั้งนะอาจปิบะนะ Je vous remercie. Ce matin et cet après-midi, beaucoup de questions vous ont été posées sur vos responsabilités en tant que chef de village. Je crois à partir de 1970, si j'ai bien entendu, et puis comme chef de commune, chef de la commune Talao. À partir de 1974 jusqu'en 1976. Je voudrais savoir si à l'époque, donc tout ça, en tout cas pour la période avant avril 1975, quelle était la structure type de votre région? Vous avez tout à l'heure parlé de villages et de communes. Quels étaient les échelons supérieurs au-dessus de la commune? ธนาเลอชมเฉลยธนาคณจตังคณคุมณชกโดยชาเอดําเบดโดยชากบกรงปิเจเรอบรมข้างอยู่บ้ายในใบยลปะดุวัดจัง Je vous remercie, mais ce n'était pas tout à fait la question. Je voulais savoir, au-dessus de la commune de Talao, quels étaient les autres échelons administratifs dans votre zone nord-est? Comment c'était structuré? Vous en avez parlé mais, tout à l'heure, mais il me semble que c'était plutôt après avril 75. Donc je voulais savoir, avant avril 75, quelle était la structure à partir du village jusqu'à la zone? Quels étaient les différents échelons? อดมีฐานะไอ้เด้อครับผมเจ้ามนมนจัดปรามนะกราวเลอคมตะลาวที่มีฐานานุกรมที่มีรัชนาสมพรที่เลอคมตะลาวมนจัดปรามกินอย่างนี้อดมีอดมีดัง vous confirmez il n'y avait pas de secteur À l'époque, au-dessus du district, qu'est-ce qu'il y avait? À partir de 1976. Donc, si je comprends bien, il y avait village, commune ou sous-district, et puis district, secteur et zone. Et ça, avant 75 ou après avril 75. อัจฉนัมพลัยอัตดังฉนัมเอฉนัมเออัจฉนัมปัจเจกเวทลังจะเชกอัจเจอันเมนเอกชาเนเยตุสใดหมกตกรอยกรอยตกหมกอัจฉนัมอัจฉนัมเคฉนัมอัจฉนัมโตโดยชาเกเปรประอัจฉนัมขยมเยโดยมนุษย์ละงงอัจเจชอโดยมนุษย์ขวะภายใน
Je vais vous aider. Lorsque vous étiez encore chef de village, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà au-dessus de vous, comme supérieur, le chef de la commune, et puis encore au-dessus, le chef d'un district, le chef d'un secteur et le chef de la zone? មានបំមានមិនមានការចតាំងមានប្រតែខ្ញុំអត់ចំណាំខែចំណាំថ្ងៃគេចំណាំមានបំមានមិនមានមនុស្សអប់រំមានមនុស្សចិត្តជើងមានមនុស្សចតាំងមានមានតំបន់មានស្រុកមានឃុំមានភូមិមានក្រុមមិនមានមាន Je vous remercie. Je vous remercie. Si je comprends bien, vous avez toujours connu cette structure, aussi bien quand vous étiez chef du village, c'est-à-dire avant 75, que après, lorsque vous avez été promu comme secrétaire adjoint au district 21. C'était toujours la même structure, groupe, village, commune, district, secteur, zone. Est-ce que c'est correct? Je vous remercie. Alors, je voudrais vous demander, à partir de 1970, vous savez que le prince Norodom Sihanouk avait lancé un appel à rejoindre la révolution. Est-ce que, à partir de cet appel, beaucoup de personnes ont rejoint le mouvement Khmer Rouge dans votre région? Je vous remercie. Comment, s'il y avait de nouvelles personnes, éventuellement, chaque fois qu'il y avait de nouvelles personnes qui rentraient dans le mouvement, est-ce qu'elles étaient également formées, éduquées, comme vous l'aviez été vous-même dans les années 60? ឆ្នាំ76នឹងពិសេសហើយគេនិយាយពិសេសណាខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចគេថាអនុវត្តបដិវត្តនិយមបំមិនតោតាមនេះគេបអត់កើតទេគេថាអញ្ចឹង Ce matin, vous avez dit plusieurs fois que vous aviez été quelque peu forcé de rentrer dans le mouvement ou de l'aider. Pouvez-vous nous dire quelle était la discipline au sein du parti? Qu'est-ce que vous deviez faire et qu'est-ce que vous ne deviez pas faire? គោជំហរតឹងតែងມັນងាក់រេខាងនោះខាងនេះມັນខ្លាចងប់ມັນខ្លាចលំបាកມັນខ្លាចវេទនាគុតខំលះបង់បើគ្មានគោជំហរឲ្យមានគោជំហរនឹងណគោជំហរនឹងណនឹងបែរឲ្យតឈូបដវត្តយូរអង្វែងទី២ទៀតឲ្យឈ្មោះតង់ជាមួយបាក់ជាមួយប្រជាជនហេតុនោះខ្លាចអូថាដូចខ្ញុំ Pourriez-nous
Pourriez-vous nous préciser qui étaient ces ennemis dont vous parlez souvent? Et ce matin, vous avez aussi dit que les Vietnamiens étaient des ennemis. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on vous a toujours dit que les Vietnamiens étaient des ennemis? Ou bien vous a-t-on dit aussi qu'à certaines périodes, ils n'étaient pas des ennemis, mais plutôt des amis? ខ្ញុំឆ្លើយការងារនេះដោយសារមកពីអ៊ំអ៊ំកាលមុនដំបូងតោះជួយយុបាយគេប្រមូលកម្លាំងតោះវាយខ្មាំងគេថាយើងហៅបងប្អូនវៀតណាមយើងហៅយួនហៅយួនដែលយើងឈ្មោះអបគេគេប្រាប់យ៉ាងអ៊ំយើងឆ្លេះនឹងហៅប្រមខ្ញុំធ្វើប្រធានភូមិកាលដល់ក្រោយគេថាគេពត់រូបខ្ញុំថាខ្ញុំចូលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមអញ្ចឹងទៀតគេថាខ្មាំងអាយួននេះខ្មាំងកម្ពុជាលើកទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងទៀត ខ្ញុំថាខ្មាំងយើងមិនពេលដើមអ៊ំអោយពួកខ្ញុំហៅបងប្អូនដល់ឥឡូវថាខ្មាំងយួនបើយើងធ្វើបដិវត្តន៍មុនដំបងនៅជាមួយគ្នាឈីជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាដល់ឥឡូវយើងមិនថាខ្មាំងយួនទៀតនឹងខ្ញុំឆ្ងល់បើថាពួកខ្ញុំចូលបដិវត្តន៍ណាពួកអ៊ំនឹងហើយនាំផ្លូវនឹងចូលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមពួកអ៊ំនឹងប្រធានពួកខ្ញុំដឹងណាស់ប៉ាដឹងប៉ាកុំនេះដឹងប៉ាអីទេជំនឿទៀតណាមេខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំកាត
Je vais revenir à, au moment où vous étiez chef de la commune de Talao. Vous avez tout à l'heure parlé des villages et des groupes, mais je voudrais savoir si, à l'époque où vous étiez chef de la commune, est-ce qu'il y avait des coopératives qui existaient déjà au niveau de la commune? Donc ça c'était quand vous étiez chef de village. Mais après, vous avez répondu tout à l'heure que vous aviez été promu comme chef de la commune de Talao. Est-ce que quand vous étiez chef de la commune, il y avait déjà des coopératives ou non? D'accord. Merci. Quand vous étiez chef de la commune et plus tard chef du district, est-ce que vous receviez des instructions en matière de production agricole? Merci. Je vais revenir sur certaines choses que vous aviez mentionnées ce matin concernant le rôle et fonctions de Yeng Sari et les occasions durant lesquelles vous l'avez rencontré. Ce matin, vous avez parlé de deux réunions auxquelles vous auriez participé, où Yeng Sari a pris la parole. Je me dois de vous faire savoir que dans votre déclaration précédente devant les juges d'instruction, vous avez parlé de trois réunions. Et je voudrais éclaircir ce point. Vous avez dit auparavant que des réunions s'étaient tenues en 1970 et 1974. Aujourd'hui, vous avez parlé de deux réunions. Pouvez-vous repréciser à nouveau si c'était deux, trois réunions et quand elles auraient eu lieu avec M. Yeng Sari, donc oncle Van? ជាមួយអ៊ំអៀងជ្រីមានតែពេលលើកកណ្ដោប្រៃកណ្ដាប្រជុំមានពេលលើកនឹងហើយក្រៅពេលហ្នឹងមានតែគណៈភូមិភៈដូចជាអ៊ំវីតាធិនតាខាត់តាបុតដែលថាប្រជុំបកថាបាត់ហើយអត់ឃើញហើយអ៊ំអៀងជ្រីនិយាយច្បាស់ប្រាប់ច្បាស់ត្រង់ Est-ce que vous vous souvenez du moment, je sais que vous avez des problèmes avec les dates, mais est-ce que vous vous souvenez plus ou moins de la période où ces deux réunions ont eu lieu? Est-ce qu'il y a plusieurs années entre elles ou est-ce qu'elles étaient rapprochées? Pujum nung khlak ke khap pujum nung man lung.
ដល់លោកក្រោយមានតែតំបន់នឹងញឹកញាប់តែធិនតំបន់ Est-ce que c'était la première fois que vous voyez Yang Sari à cette occasion-là, ou bien vous l'aviez déjà vu avant, mais vous n'aviez jamais assisté à une réunion présidée par Yang Sari? D'accord. Lors de cette première réunion, si vous vous souvenez bien du contexte de cette première réunion, est-ce que d'autres personnes se trouvaient aux côtés de Yang Sari, même si elles n'ont pas parlé? D'autres personnes parmi les grands patrons, les dirigeants, les oncles? មានតែឃើញកាត់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយអ្នកអប់រំនោះអ៊ំអៀងជ្រីអ៊ំពុកនោះមកកលែងនៅកលែងនោះកលែងមន្ទីរកាត់ហ្នឹងហើយកាត់នៅពេលគេប្រជុំនឹងគេចេញពីកលែងកាត់នោះនៅបានឃើញអ៊ំអៀងជ្រីយ៉ាង Quelle était la fonction de Om Ya à l'époque? ការសម័យនោះទួនាទីមុខងារបស់អមយ៉ានោះអីទៅលឺគេប្រជាប្រជាតែគណៈភូមិភៈគណៈភូមិភៈឯសានលោកគិរីទិងត្រែងគេចេះគេប្រឆាយណាក៏បង្ហាញខ្លួនគាត់មានប្រកិច្ចខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងមានបួនខេតអញ្ចឹងខ្ញុំបានបណ្ដឹង Je vous remercie. Je voudrais savoir, lors de ces deux réunions avec Yang Sari, si Yang Sari a parlé de la religion ou de l'animisme et des génies tutélaires, est-ce qu'il en a parlé et qu'est-ce qu'il en aurait dit? កិច្ចការប្រជុំនឹងគាត់ប្រកាសកុំឲ្យថ្នាក់សុខថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ភូមិដើម្បីដឹងនេះណាខ្មាំងនេះណាជាត្រូវយើងមិនគេថាខ្មាំងយើងមិនគេថាជាត្រូវបងប្អូនយល់ហើយឬមិនយល់ពួកខ្ញុំថាអត់យល់ទេពួកគេជិះជន់ពីជារះហ្នឹងគេថាខ្មាំងគេថាជាត្រូវអ្នកជិះជន់ញាក់ជិះឈ្នោកបោកបាត់នេះហ្នឹងគេថាជាត្រូវនោះគាត់ប្រកាសគាត់បង្រៀនឲ្យដើម្បីដឹងអញ្ចឹង
Est-ce que pendant toute cette période, vous étiez autorisé à pratiquer votre religion? Si vous en avez une, ou l'animisme? ຈົ່ງຊິເລີຍອັດມີແດ່ຕຶງແຕງເກຖ້າມັນອ້າຍຈຸມເນື້ອເຕອະລະນະຕາເຊັນປານໂຕການຊື່ກົນສໍາລັບຮູ້ຍັງຕໍ່ໄປນັ້ນເມື່ອບ້ອງປູນຂ້າງກົມນັ້ນຄແມກົມອັດມີລູກຊ່ອງອັດມີວັດເດບ້ອງປູນບ້ອງປູນຈຸດລະບົດນັ້ນອັດມີວັດອາຣາມນັ້ນເຊັນປານບໍ່ຖ້າການຊື່ກົນອະລາອັດມີແດ່ອັດມີໃຫ້ກັດຄູຊະນັ້ນຈັ່ງ Est-ce que vous avez facilement accepté cette instruction de ne pas vénérer de religion ou de génie, etc.? ដោយសារជនជាតិពួកខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆេនប្រាំដូចបងប្អូនខ្មែរខាងក្រោមមានវត្តមានវាមានអារាមឥឡូវគេដល់ឲ្យមានក៏ឈ្មោះឈ្មោះដែរស្ទីរំបើថាអប់រំខ្លាំងប្រជាជនខ្លាចប្រជាជនវាយខ្ញុំចូលវាយចូលខ្ញុំបើមិនប្រឆាយផែនការរបស់គាត់នឹងខ្ញុំខ្លាចគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំខ្លាំងថាខ្ញុំអត់មានជំហរបាទ Donc quand Yangsari vous a parlé de cela, lors de ces deux réunions, vous avez dit donc, si je ne me trompe pas, que c'était bien avant que Phnom Penh ne tombe aux mains des Khmer Rouges. Est-ce que c'est correct? J'ai peur d'avoir mal compris. Si quelqu'un parmi le groupe révolutionnaire voulait se rendre dans une pagode ou faire des offrandes, que lui arrivait-il à cette période-là? Était-il blâmé, puni d'une quelconque façon? ปันเตกางเงานุโดยชาข้างกรมนึงพี่น้องมีนแต่ปันเตกันเยปากะดำใบอาพวกขยมจุนบทนึงเบียอาจมีนวัดวาแต่มีนแต่กิจจำเนื้อจังกลมเชนปราณเปรชื่อกรุนอันนั้นก็โคชนาอ้อยข้างพวกขยมมันอ้อยชื่ออะไรเนี่ยตาโดยชาเอบัตโทชื่ออะไรเนี่ยตาเนี่ยอัดเกิดเตะถั่วปะดวัด จะตัวตนกรรมนะเนี่ยได้กรุปศาสนาหรือก็เนี่ยกรุปอะไรเนี่ยตานั่นเกี่ยวกับเธอตนกรรมเลยอ๋อเต๋อมันตัวตนกรรมเลยบ่มันเจอเกมันตนกรรมพวกขยมทั่วไม่บ้าแล้วให้ไว้จอลเกะตัวเจ๊เจ๊เจ้าทำกรุปมีเกียปะ นี่เยเชเอกเปเอกตะเลปะกุมนี่เวมันเลนเตปะกุมนี่เวคลั่งปีนาตาวาปีนาปิชังก็ว่ากระทาอัดเมียนเผาเผาเด้อเฮ้ยกระทายจังคือเรียมจังนะโดยเฉพาะให้พวกขยมคลายเจตทั่วเจตเต้าพวกขยมโนจนบทชกัดปัญญาเว เวมนุษย์เวละงึ่งมนุษย์เวละงึดพเนจรเจตโทตามก็โทยังไม่ก็โทตามจังนะคลายเจตโดยเฉพาะมันเป็นไทยยศคลายเจตคลายเจตอำนาจเก้
ខ្ញុំមានប្រឹងអត់យល់ទេបាទវត្តអត់យល់ទោះខ្ញុំចុះគេក៏ដោយដោយឆាក់ខ្លាចលោកឃើញរងតើនៅមានទំនួលប្រមាណទៀតដែលក្រុងសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលពាណិជ្ជរូបនេះ Oui, Monsieur le Président, merci. Il nous faudra sans doute encore une heure pour interroger la partie civile. Donc, si vous souhaitez interrompre maintenant, bien entendu, nous y sommes favorables. ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងសំឡមនឹងសម្រាកនៅរុស្ស៊ីនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកដោយសារស្ដាប់នៅបាល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអន្តរជាតិមិញថាមានពេលវេលាត្រូវចំណាយប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតដោយ ពេលវេលានៃកិច្ចដំណើរការរបស់យើងនឹងមានកំណត់ដែលគួរតែប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការនឹងបានជឿនលឿនអង្គជំរះនឹងផ្ដល់វេទិកាទៅឲ្យសហប្រជាជាតិអាចបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកកន្លះម៉ោងទៀតដូច្នេះសូមសហប្រជាជាតិត្រៀមរៀបចំជ្រើសរើសនៅសំណួរដែលមានខ្លឹមសារនិងសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អង្គហេតុដែលអាចសួរទៅដើមម្ដងរដ្ឋបាលពាណិជ្ជរូបនេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពនឹងលើកបន្តទៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9សូមជួយមេធាវី Thank you, Your Honor. Will Nguyen Chia be testifying tomorrow? And if so, could we be notified as to when? បន្តស្ដាប់ចម្លើយរបស់នួនជាអាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ចម្លើយដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីខ្លានហ្វីតមានន័យថាបន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបាវនីរូបនេះចប់នោះអង្គជំរះនឹងបន្តក្នុងការ Perhaps then we could have an indication from the other parties how long they will take. I think we'll need about 5 minutes.
yang mai ning phiek ki phsein tiet me tevi lok yeung sari hay me tevi lok khe sampon ta krom me tevi robos lok tang pi ning kmuoy krom me krom aich chomnai pe velia ponman dae samrap sua sak dam mdang rot pap vini rup ni Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. I have to hear the rest of the, of the examination of the witness before I can decide. I can certainly say that it could be anywhere from 15 minutes to 45 minutes, especially since there was a lot of testimony where couriers were not ironed out, would not established. And so we feel at least, I would say 15, as much as 45 minutes. Même chose pour la défense de M. Khieu Samphan, M. le Président. តាមការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបង្ហាញថាការប៉ាន់ប្រមាណនៅការតាំងសំណួររបស់ភាគីតទៅនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីរូបនេះទំនងជាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេដោយហេតុការសន្សំចៃពេលវេលាក្នុងការដេញដោលដូច្នេះគឺអង្គជំរះកំណត់នៅរបៀបនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលគឺក្រោយពីសួរ ស្ដាប់ចម្លើយដល់មិនដឹងរដ្ឋបព្វនីចប់គឺយើងនឹងបន្តការសួរដេញដោលចំពោះលោកនុនជាអនុរៈមន្ត្រីខុំខាំងឲ្យនាំជនចាប់ចោតទាំងបីរូបទៅកាន់មន្ត្រីខុំខាំងវិញហើយឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់សាធារណការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 អង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ត្រឹមនេះ